Dieu. Praise the Lord. Nous sommes en train de travailler sur la prédication d'un évangile authentique. We are working on the preaching of the genuine gospel. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de chaque homme, de chaque être humain. The gospel is a power of God to the salvation of each human being. Et tous ceux qui proclament l'évangile, all those who proclaim the gospel, sont des ministres de la délivrance. Are ministers of deliverance. Sont des ministres de la guérison. They are ministers of healing. L'évangile, the gospel, qui est un message pur, which is a clean message. Lis pour nous. Read for us. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. 1 Timothée 1 chapitre 15. This is a faithful saying and worthy of acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Amen. Une parole entièrement digne d'être reçue. A word that is entirely worthy to be received. Jésus-Christ est venu dans le monde. Jesus came into the world pour sauver les pécheurs. To save the sinners. Pour me sauver. To save me. Pour te sauver. To save you. C'est ça qu'il faut prêcher. This is what we should preach. Jésus-Christ est venu dans le monde. Jesus came into the world. Pour sauver les pécheurs. To save the sinners. Vous souliez pécheurs. You underline sinners. Et vous souliez sauvés. And you underline saved. Nous avons montré comment l'homme est tombé dans le péché. We showed how man fell into sin. Comment l'homme a commis la désobéissance. How man disobeyed God. Comment l'homme a été séduit par le diable. How man was deceived by the devil. Dieu a permis que la révélation soit accordée à l'humanité. God allowed that the revelation be given to mankind. Déjà là, dans le jardin, already there in the garden, Dieu disait au serpent, God told the snake, la postérité de la femme va écraser ta tête. The offspring of the woman will crush your head. Le même jour, the same day, aujourd'hui nous allons voir comment la promesse a évolué de cette proclamation dans le jardin. Today, jusqu'à l'accomplissement à la croix du calvaire. Today we are going to see how this promise evolved, starting from this proclamation to the garden up to now. Comme c'est un cours pratique, nous irons doucement. As it is a practical course, we will move slowly. Le frère Yoito est parti au ciel. Quand il était parmi nous, il me rappelait, va doucement, va doucement. Brother Yoto has gone ahead of us into heaven, and while he was with us, he used to tell me, go slowly, slowly. Il aimait la parole. Because quand tu commences à enseigner, il veut noter tout, tout. He loved the word, and when you start teaching, he wants to jot down everything. Donc nous irons doucement. So we are going slowly. Parce que ce que nous avons commencé, because what we have started, c'est quelque chose que l'humanité attend. It is something that mankind is expecting, parce waiting. Que les gens ne prêchent plus l'évangile. People no more preach the gospel. Chacun raconte ses histoires. Each one is just telling his stories. Il y a les motivationnistes, ils se spécialisent juste pour exciter les gens. Those the motivationists specialize themselves to move people. Ils savent que ça ne touche pas l'esprit, mais ils font ça comme une profession pour eux. They know that this does not touch the spirit, but they do it as a profession for them.
Ceux qui font le management sont remplis de connaissances, de stratégies. Those who do management are filled of strategic knowledge. Mais ce n'est pas ça l'évangile. And this is not the gospel. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jesus came into the world to save the sinners. C'est une parole entièrement digne d'être reçue. It is a word that is entirely worthy to be received. Si tu rejettes ce message-là, if you reject this message, tu as un problème. You have a problem. Pas avec les hommes. Not with men. Dieu lui-même. God himself. Dites amen. Say amen. Le pécheur, the sinner, c'est celui qui a péché. Is the one that has sinned, committed a sin. Tous les êtres humains, all human beings, sont des pécheurs. Ils naissent dans le péché. Are sinners and they are born in sin. Vous notez ça très bien. Note this carefully. C'est un point de doctrine. It is a point of doctrine. Tous ont péché. All have sinned. Ils sont privés de la gloire de Dieu. And they are deprived of the glory que of God. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Que personne ne tente de se dire que il pratique une certaine morale. Let no one deceive you saying that he's practicing a certain moral. La morale ne peut sauver personne. Moral can save no one. Les réformes ne peuvent sauver personne. Reformations can save no one. Les prisons correctionnelles ne sauvent personne. Prisons for corrections can save no one. Les peines de mort n'enseignent rien. Les gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire. The capital punishments do not teach anything and people do not understand what it means. Tu peux pendre quelqu'un là. Les gens vous regardent après ils s'en vont pécher. You can even hang someone and people look at it and after they go and sin. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tous ont péché. All have sinned. Et Jésus est venu. And Jesus came sauver le pécheur. To save the sinner. Dites amen. Say amen. Lisons encore Genèse chapitre 3 verset 15 pour que nous voyons la promesse faite au jardin d'Éden. Let us read again Genesis 3 verse 16 for us to see what the promise made in the Eden Park. Nous avons titré ça la promesse d'une postérité. We entitled it the promise of an offspring. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Genesis 3, verse 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. I shall put enmity between you and the woman. Entre ta postérité et sa postérité. Between your seed and her seed. Celle-ci t'écrasera la tête. He shall bruise your head. Et tu lui blesseras le talon. And you shall bruise his heel. Dites alléluia, alléluia. Say hallelujah, hallelujah. Le diable même avait compris que il a perdu. Even the devil understood that he has lost. Est-ce que quand on écrase la tête de quelqu'un, il vit encore? Is it possible for someone to live when you bruise his head? Nous connaissons le sort du diable et tous ses agents. We know the lot of the devil and all his agents. Dis amen. Say amen. Lis pour nous Galates chapitre 3 verset 16. Read for us Galatians chapter 3 verse 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule
et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Now, to Abraham and his seed, where the promise is made, he does not say, and to seeds, as of many, but as of one, and to your seed, who is Christ. Amen. Ces deux versets. These two verses. Le premier dans Genèse 3, verset 15. Le deuxième dans Galates, chapitre 3, verset 16. The first one in Genesis 3, verse 16. And the second one, Galatians 3, verse 16. Disent la même chose. Elles parlent de la venue, la première venue de Christ. Are about the same thing. They are about the first advent, the first coming of Christ. Jésus est venu. Jesus came. C'est lui. He's the one. La postérité dont il est question dans Genèse 3, 15, là, c'est Jésus. The seed that Genesis 3, verse 15 is about, it is Jesus. Frère, que personne ne te séduise. Brother, let no one deceive you. Il y a beaucoup de religions sur la terre. There are many religions on earth. Dieu ne les connaît pas. God do not know them. Dieu sait seulement. God only knows. Il a dit à la, au serpent. That he said to the snake. La postérité de la femme va écraser ta tête. The seed of the woman will crush your head. Et il a envoyé cette postérité. And he sent that seed. La parole révèle qu'il s'agit de Jésus-Christ. And the word reveals that it is about Jesus. Dites hallelujah. Say hallelujah. Cette postérité, c'est Christ. That seed is Christ. Et le nom d'Abraham sort quelque part. And the name of Abraham came out somewhere there. Pourquoi? Why? Parce que. Because. Quand Dieu a décidé, quand les temps sont arrivés. When time came. Comme l'apôtre Paul dit que quand le temps était accompli. As Apostle Paul said, as time was were accomplished. Et que Dieu devait déjà accomplir ce qu'il avait promis. And that God was to accomplish what he's promised. Il a choisi un homme. He chose a man. Appelé Abraham. Named Abraham. Dans le but de fonder une nation à travers cet homme. Intending to create a nation through that man. Et que cette nation soit une bénédiction pour toutes les nations qui sont sur la terre. And for that nation to be a blessing for all the nations that are on the earth. Donc, c'était d'abord une promesse. So it was first a promise. Maintenant, Dieu choisit. Dieu a élu l'homme qui devait introduire cette promesse dans le monde. God elected man, the man that was to introduce that promise into the world. Il a choisi Abraham. Lisons Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. And he chose Abraham. Let us read Genesis chapter 3, verse 1 to 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Genesis chapter 12, reading from verse 1 to 3. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Amen. Vous voyez, les choses sont claires. See, things are clear. Abraham vient. Abraham comes pour la bénédiction de toutes les familles qui sont sur la terre. For the blessing of all the families that are on the face of the Dieu earth. Dieu l'enlève de son pays, de sa patrie. God took him from his homeland. Il dit, je vais t'installer dans un autre pays. He said that I will settle him in another country.
Alléluia. Praise the Lord. Dieu le bénit. God blessed him. Il y a sept dimensions dans cette bénédiction là. There are seven dimensions in that blessing. On peut les compter ensemble. We can count them together. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 1. Je ferai de toi une grande nation. First, he said, get out of your country, from your family and from your father's house to a land that I will show you. 1. I will make of you a great nation. 2. 2. Je te bénirai. I will bless you. 3. 3. Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. 4. 4. Tu seras une source de bénédiction. And you shall be a blessing. 5. 5. Bénirai ceux qui te béniront. I will bless those who bless you. 6. 6. Je maudirai ceux qui te maudiront. I will curse him who curses you. 7. 7. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. In you, all the family of the earth shall be blessed. Qui a noté tout? Who took note of? Donne-lui le micro. Give him the microphone. Première bénédiction. First blessing. Faire de lui une grande nation. Make of him a great nation. 2. Le bénir. 2. Bless him. 2. Le bénir. 2. Bless him. 3. 3. Rendre son nom grand. Make his name great. 3. 3. Rendre son nom grand. Make his name great. 4. 4. Faire de lui une source de bénédiction. Make of him a source of blessing. 4. 4. Faire de lui une source de bénédiction. Make of him a blessing. 5. 5. Ça va? Is it okay? Cinquième point, bénir ceux qui le bénissent. 5. Bless those who bless him. 5. 5. Bénir ceux qui le bénissent. Bless those who bless him. 6. 6. Maudire ceux qui le maudissent. Curse those who curse him. 6. 6. Maudire ceux qui le maudissent. Curse those who curse him. 7. 7. Bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Bless all the families of the earth through him. 7. Bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Abraham. Bless all the families of the earth through him. Abraham. Through Abraham. Alléluia. Praise the Lord. Et Abraham est donc un homme béni. Abraham is therefore a blessed man. La parole de Dieu dit, the word of God says, qu'Abraham avait un problème. That Abraham had a problem. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant mâle. He didn't have a male child. C'était son problème. That was his problem. Un jour, one day, Dieu l'a visité. God visited him. Dieu lui a demandé d'être intègre, de marcher droit devant sa face. God asked him to be a man of integrity and to be upright before him. Lisez pour nous Genèse toujours, chapitre 15, verset 1. Et suivez bien la lecture. Je préfère qu'on lise les 21 chapitres. Lisez du verset 1 au verset 21. So read for us Genesis 15. From verse 1 to 21. Lis posément, comme si c'était une prédication. So read slowly as if it was a preaching. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision. Et il dit, Abram, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité,
Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kéniziens, des Gadmoniens, des Éthiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgaziens et des Jébusiens. » Amen. Abraham avait donc un problème. Had a problem. Il voulait un héritier. He wanted Il recherchait un héritier. He was seeking a heir. Et en posant son problème à Dieu, while presenting his matter to God, il avait reçu une réponse favorable. He received an acceptable answer. Mais la promesse ne s'était pas rapidement accomplie. But the promise did not come to pass rapidly. Et sa femme lui and a dit, his wife, je te donne ma servante. Peut-être que c'est par elle que Dieu te donnera cette postérité promise. I give you my maid. Maybe it is through her that God will give you that promised descendant. Et Abraham avait accepté. And Abraham accepted this.
Il a pris la servante. He took the maid. Et avec la servante, il a eu un fils appelé Ismaël. And with the maid servant, he got a son called Ishmael. Dans sa tête, il avait déjà un héritier. In his mind, he already has a heir. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et Dieu vient lui parler à nouveau. And God came to speak to him anew. Je lis pour nous Genèse chapitre 16. Come to read for us Genesis chapter 16. Verset 1 à 6. Reading from verse 1 to 6. Sarai, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abram, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abram écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Amen. Amen. Genèse 17, verset 15. Genesis 17, verse 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. » Amen. Continue. Continue. Verset 16. « Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. » Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Amen. Wait. Verset 17. Qu'est-ce qui se passe ici? What is happening here? Pendant qu'Abraham pense qu'il a déjà son Ismaël. While Abraham thinks that he already has his Ishmael. Dieu vient lui dire. God comes and tells him. Sarah, ta femme, Sarah, your wife, aura un enfant. Will bear a child. Il va s'appeler Isaac. His name will be Isaac. Et Abraham, and Abraham était confus. Was in a confusion. Et il comprenait que même la vie d'Ismaël était menacée. He understood that even the life of Israel was threatened. Il savait que Dieu rejetait par là Ismaël. He knew that God was rejecting Ishmael. Parce que quand tu lis très bien, because when you read carefully, il a prié pour Ismaël. He prayed for Ishmael. Il dit, oh Dieu. He said, oh God. Qu'Ismaël vive. Let Ishmael live. Parce que ce qu'il venait d'entendre veut dire que dans les desseins de Dieu, celui-là n'est même pas mentionné, n'est même pas connu. So what he has just heard showed les desseins de Dieu en rapport avec le salut de l'humanité. He understood that the purposes of God in relation with the salvation of mankind, I mean in the mind of God, Ishmael was not even concerned. C'est-à-dire quand Dieu planifie la rédemption, so when God planned redemption, il ne voit qu'une seule personne. He sees only one person. La postérité. That is the descendant. Qui se révèle progressivement. That is being revealed progressively. Et dans chaque étape de l'alliance. And at any step of the covenant. Ici, here, il faut qu'Abraham ait une nation qui va accueillir le Christ. Abraham must have a nation that will welcome the Christ. Quels sont les patriarches qui vont faire partie de cette nation-là? Who de la généalogie de cette nation-là? Who are the patriarchs that will be part of the genealogy of this nation? C'est ça que Dieu est en train d'écrire. 1, Abraham. 2, Isaac.
That's what God is writing. First, Abraham. Second, Isaac. Abraham dit, permet que Ismaël vive. And Abraham said, allow Ishmael to live. Et Dieu lui dit, but God tells him, d'accord, je t'exauce, il va vivre. Je le bénis même, il sera une grande nation. Mais mon alliance, c'est avec Isaac. Okay, I understand. I will allow Ishmael to live. I will even bless him to become a great nation. But my covenant is with Isaac. D'Abraham. From Abraham. Frères sont sortis trois grandes religions. Came three great religions. Une est entièrement fausse. One of it is totally fake. Deux ont une même lignée. Two have the same lineage. Le judaïsme. Judaïsme. Le christianisme. Christianisme. Et l'islam. L'islam. And Islam. Qui revendique le même patriarche. Who claim the same father. Mais Dieu ne laisse pas l'humanité dans la confusion. But God will not leave mankind in confusion. Concernant le judaïsme, c'était une étape transitoire. As far as Judaism is concerned, it was a step of transition. C'était juste pour un temps de réforme. It was just for a time of reforms. Pour qu'ils accueillent le Messie, le Christ. For them to welcome the Messiah, the Christ. Donc pour ceux qui essayent de prolonger la vie du judaïsme, ils sont hors jeu. So for those who want to continue to live in Judaism, they are off subject. Depuis la révélation du Fils de Dieu, and the revelation of the Son of God, le judaïsme doit dormir, doit se reposer. Since the revelation of the Son of God, Judaism must be off. C'est une parole. It's a word entièrement digne d'être reçu. Entirely worthy to be received. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. That Jesus came into the world to save the sinners. Ça met fin à toutes les religions. It puts an end to all the religions. Jésus est venu dans le monde. Jesus came into the world pour sauver les pécheurs. To save the sinners. Et vous soulignez le mot pécheur. And you underline the word sinners. Parce que l'homme a beaucoup de problèmes. Because man has a lot of troubles. L'homme, il y a le péché. There is sin. Il y a ses problèmes, les oppressions. He has the problems, oppressions. Il y a les envoûtements, les maladies. And sicknesses and bewitchments. Il y a ces guerres qu'il provoque lui-même. The wars that are provoked by man himself. Ses crimes. His crimes. Il nomme ses chefs et puis il pleure. He appoints his chiefs and he cries. Et ils appellent qui au secours Dieu. And all this they say that it is for God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pas de confusion. No confusion. Dieu lui dit. God says here. C'est Isaac. It is Isaac. C'est Isaac. Isaac. Et Abraham accomplit ça. And Abraham understood this. Et il a posé un acte responsable. And he took a very responsible action. Lis pour nous Genèse 25, versets 5 et 6. Read for us Genesis 25, verse 5 and 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Amen. Genesis 25, verse 5 and 6. And Abraham gave all that he had to Isaac. But Abraham gave gifts to the sons of the concubines, which Abraham had. And while he was still living, he sent them eastward, away from Isaac his son, to the country of the east. Amen. Abraham, ayant connu la volonté de Dieu,
Abraham, having known the will of God, a fait ce que tous les hommes devraient normalement faire. Did what all men normally should do. Savoir que c'est Jésus qui est le chemin. Knowing that it is Jesus that is the way. Et tâtonner. And grope about. Alors, essayer de garder tout. Try to keep all. C'est manquer d'intégrité, c'est manquer de sagesse. It is to lack wisdom or an integrity. C'est manquer de courage. It is a lack. Pendant qu'Abraham vivait encore, while Abraham was still alive, il appelait la famille. He called his family. Il a pris les cadeaux, les dons. He took gifts. Il a donné au fils de ses concubines. And gave the gifts to the sons of his concubines. Il a pris ses biens. He took his goods. Tous ses biens. All his goods. Il a donné à Isaac. And gave them to Isaac. Il leur a dit. And he told them. Cette terre-ci. This land est une grande promesse. Is a great promise. L'homme qui doit vivre ici, c'est celui-là. The man that shall live here is this one. Mon fils Isaac. My son Isaac. L'enfant de l'alliance. The son of the covenant. Vous autres, you others, allez vous débrouiller vers l'Arabie. Go and try somewhere Oh Jésus-Christ. Oh Jesus. Tu es le chemin, la vérité, la vie. You are the truth and the way. Tes alliances sont éternelles. And your covenant are eternal. Et ta parole est la lumière. And your word is the light. Si tu sais que Jésus est le chemin. If you know that Jesus is the way. Tu ne dois plus garder des morceaux de bois ici, les chapelets là-bas, dans la confusion. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. You shall not keep some woods here and chaplet there. This is confusion. You don't even know what you are seeking. Il est écrit. It is written. C'est une parole. It's a word. Entièrement digne d'être reçu. Which is entirely worthy to que be received. Jésus-Christ est venu dans le monde. That Jesus came into the pour world. Sauver les pécheurs. To save the sinners. Pour sauver les pécheurs. Save the sinners. Pas de confusion. No confusion. Abraham ne savait même pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Abraham didn't even know what we know today. Lui voyait le territoire. He saw the land. Et il avait cru à la promesse. And he believed that the promise. Toi, tu vois tout. You see all. Parce que Jésus s'est déjà révélé. Because Jesus has already revealed himself. Il n'y a pas de confusion dans le monde. There's no confusion in the world. Ton choix doit être clair. The choice must be clear. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. 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 Oh, une parole. A word. Entièrement digne d'être reçu. That is entirely worthy to be received. Jésus est venu dans le monde. Jesus came into the world. Pour sauver les pécheurs. To save the sinners. Pour sauver les pécheurs. To save the sinners. Et donc nous sommes les premiers. And je we suis are. Premier pécheur. Tu es premier pécheur. We are the first. I am the first, and Il you are the first. Il n'y a pas de juste sur la terre. There's no just in the Tous earth. Tous ont péché. All have sinned. Tous ont péché. All have sinned. Tous ont besoin de Jésus. All need Jesus. Tous ont besoin de Jésus. All need Jesus. Que quelques personnes prient. Let some people pray. C'est Isaac, calendrier Jésus de Nazareth. Merci pour Abraham. Seigneur, merci pour Abraham. Oh notre Dieu, nous avons vu qu'effectivement Jésus de Nazareth, c'est le seul, le vrai Dieu, le véritable, qui est descendu pour sauver l'humanité. Merci Seigneur, parce que je suis l'un des fruits. Oh Dieu, je te voudrais le péché. Je portais directement l'enfer. Mais Jésus, tu es venu pour me sauver. Je te rends grâce, je te rends grâce et je proclame que tu es le véritable Dieu. Merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Qui est mort à la croix de Golgotha, il a péri Seigneur, portant sur lui nos péchés. Oh Père, merci, merci, merci pour le don Seigneur de ton Fils, oh notre Dieu. Merci Seigneur de nous délivrer de la confusion. De la confusion et du mensonge, Seigneur du diable. Merci, Seigneur, pour nos yeux que tu ouvres, afin que nous croyions et nous voyons que Jésus-Christ, il est le seul chemin, celui qui a été donné pour le salut de l'humanité. Gloire et honneur à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a point de confusion. Il n'y a point de confusion, oh Père. Il n'y a point de confusion, Seigneur. Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est le seul sauveur.
Il y a une seule postérité. C'est la postérité qui est née d'Abraham. Et cette postérité, c'est Isaac. Et Jésus-Christ est celui qui a été annoncé pour le salut du pécheur, dont j'en suis le premier. Oh Seigneur, il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de confusion au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel privilège. Nous sommes heureux parce que Jésus-Christ est notre frère. Merci, ô Père, de l'avoir choisi. Seigneur, c'est vrai. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a point de confusion. Désormais, nous l'avons compris et nous allons proclamer. Jésus-Christ est effectivement le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a point de confusion. Et le chemin, la vérité, la vie. Nous devons crier, nous devons crier la vérité que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que désormais nous pouvons faire un choix. Oh Père, nous pouvons faire un choix. Aucune personne ne peut demeurer neutre. Oh, chacun peut faire un choix parce que les choses sont claires. Il n'y a point de confusion. Oh, c'est le moment de se lever et de choisir, d'emprunter la voie qu'il faut, tout comme Abraham. Oh Père, détruis la neutralité, anéantis les œufs du diable qui empêchent, oh, chacun de prendre un choix. Démolis, 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 anéantis, démolis, démolis, anéantis, afin que chacun choisisse. Afin que chacun choisisse. Afin que chacun choisisse. Oh Père, fais-le. Oh Père, fais-le. Oh Père, fais-le. Oh, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Notez Abraham. Vous écrivez sous Abraham, Isaac. Note, write down Abraham, and under Abraham, you write Isaac. Et vous écrivez sous Isaac, and under Jacob. Isaac, you write Jacob. Et vous écrivez sous Jacob, judaïsme. And under Jacob, you write Judaism. C'est-à-dire Israël est déjà dedans, mais notez seulement judaïsme. That is, Israel is already in it, but you just note Judaism. Sous judaïsme, vous notez le Messie. And under Judaism, you write the Messiah. Entre parenthèses, Jésus. And between brackets, Jesus. Et sous le Messie, vous and mettez 12 apôtres. Under the Messiah, you write 12 apostles. Sous les apôtres, vous notez christianisme. Vous mettez entre parenthèses église. Under the apostles, you write christianisme and between brackets church. Dieu a voulu que l'histoire ait des traces. God had wanted that there should be traces in the history. Pour qu'il soit connu des hommes que Dieu a planifié l'œuvre. Dieu aime quand on sait qu'il a planifié. For it to be known to men that God planned the work. God wants men to know that he planned everything. Quand il planifie, when he plans, il exécute et les gens voient. He executes it and the people can see it. Et sa puissance se manifeste. And his power is manifested. Parce qu'en réalité, s'il y avait des ennemis puissants, ils pouvaient le bloquer. Because in fact, if there was a mighty enemy, you could have blocked him. Il planifie même pour montrer qu'il est puissant. He even planned to show that he is mighty. Il ne cache pas ses plans. He does not hide his plans. Personne ne peut dire qu'il m'a surpris. Il fallait qu'il me dise, il allait voir.
No one can say that he has surprised me. He should have told me so that I could see. Même la mort et la résurrection de Jésus, Jésus racontait ça. Even the death and the resurrection of Jesus, Jesus used to talk about that. Si tu es fort, tu prends des dispositions pour que ça ne s'accomplisse pas. If you are strong, just take the dispositions so that it will not be accomplished. Mais tu seras humilié. But you'll be, parce que ça va s'accomplir. You'll be humiliated because it will be accomplished. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Note this. L'histoire d'Isaac et Ismaël est une grande allégorie. Note that. C'est un grand récit qui nous enseigne sur le chemin de la vie. Note that the story of Isaac and Ishmael is a great allegory because it teaches us about life, the way of life. Quand Dieu dit que c'est avec Isaac qu'il va traiter l'alliance. When God said that he will make a covenant with Isaac, il veut juste dire que toutes les promesses qu'il a proclamées là sont l'héritage d'Isaac. He just wants to say that all the promises that he proclaimed are the promises of Isaac. Ça veut dire aussi que la postérité promise sortira d'Isaac. It also means that la lignée d'Isaac. It also means that the seed that was promised will come out from the lineage of Isaac. Ça veut dire que si tu dois faire des recherches sur Jésus devait sortir de quelle famille, tu élimines d'abord nous les Ivoiriens, tu élimines les Congolais, tu élimines, tu gardes, tu commences à chercher où est Isaac et où, qu'est-ce qui est descendant d'Isaac. Tu ne perdras pas le temps, tu vas trouver Jésus de Nazareth. It means that if you may want to make researches about where Jesus come from, I mean his origin, you eliminate first of all Ishmael and the Ivorians, those from Congo and everywhere, and you start seeking Isaac, you will find Jesus. Ça veut dire que même dans notre génération, si un Congolais se lève et dit c'est moi le Christ, si tu es en train d'écrire, ne lève même pas la tête, continue à écrire tes notes. It means that c'est un menteur. It means that in our generation, if someone from Congo rises up and says, I am the Christ, even if you are writing, do not even raise your head, just continue writing because he's a liar. Si quelqu'un fait des bruits dans une forêt de Banco, là, que c'est lui le Christ, ne tends même pas ton oreille. If someone is making noises in the forest of Banco saying that he's the Christ, do not even stretch your ears to listen. Mais si c'est dans une tribu d'Israël, but if it is in the tribe of Israel, tu peux tendre un peu l'oreille. You can stretch your ear a bit. Ça, c'est le premier discernement naturel. This is the first natural discernment. Ça ne demande pas d'être prophète. It does not depend on a prophet. Abraham. Si un Tchadien se lève et dit c'est moi, tu dis non, mon ami, tu mens. If a man from Chad rises up and says, I'm the one, you say, no, you are a liar. Si un Français dit, c'est nous, tu dis non, non. If a Frenchman says, we are the one, you say, no. Est-ce que vous avez vu la sagesse de Dieu? Have you seen the wisdom of God? Dieu ne veut pas que l'homme se trompe. God doesn't want man to be deceived. Il parle. He speaks. David disait que ta parole est la lumière, c'est une lampe sur mon sentier. David used to say that your word is a light. It is a light on my way, on my personne pathway. Personne ne devrait s'égarer. No one should be led astray. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Note this. N'oublions jamais que l'enjeu, c'est à qui appartient la promesse que Dieu a faite à Abraham. Lors de sa vocation. Let us never forget that what is at stake is that to whom does the promise belong? To whom did God make the promise? Ce discernement est nécessaire. This discernment is necessary. Parce que les épreuves de la vie ont troublé un peu la vision d'Abraham.
Because the trials of life troubled a little bit the vision of Abraham. Un petit événement, a small event, peut te faire oublier Jésus. Can make you forget Jesus. Et tu commences à faire le tour des camps de prière. And you start making going from a prayer camp to another. Pensant que c'est une question de camp de prière. Thinking that it is a matter of a prayer camp. Un petit problème de la vie. A little problem of life. Peut te faire trembler. Can make you shake. Tu commences à penser qu'il s'agit peut-être d'un Ismaël qu'il te faut. And you start thinking that you need an Ishmael. Tu n'as besoin d'aucun Ismaël. You need no Ishmael. Tu as besoin de Jésus de Nazareth. You only need Jesus of Nazareth. La postérité qui écrase la tête du serpent. The seed that bruises the head of the serpent. Ta maladie est un serpent. Your sickness is a serpent. Le péché est un serpent. The sin is a snake. Les infirmités sont des petits serpents. Infirmities are little snakes. Que nous allons écraser au nom de Jésus. That we will crush in the name of Jesus. C'est-à-dire que quand Jésus a déjà gagné la bataille, that is when Jesus has already won the battle. Il bénit ses disciples. He blesses his disciples. Chaque petit disciple peut écraser la tête des petits serpents. Each little disciple can crush the head of a demon. Dis amen. Say amen. Tu peux. You can. Dis je peux. Say I can. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je marche sur les serpents. I walk on serpents. Et sur les scorpions. And scorpions. C'est un héritage. Brethren, it is an inheritance. Let no one deceive you. We don't sell this. Tu peux même courir 1000 à l'heure, tu n'auras pas ça. Even if you can run 1000 kilometers per hour, you will not have it. Mais parce que c'est un cadeau. And because it's a gift. Un cadeau de Dieu. It's a gift of God. Vous savez, nous jeûnons. You know, we fast. Ce n'est pas pour être sauvé. It is not to be saved. Que personne ne vous trouble, nos jeunes là. Let no one trouble you. Sont des jeunes, sanctifiés. Our fastings are fast sanctified. Nos nuits de prière sont les nuits de prière sanctifiées. Our prayer nights are prayer nights that are sanctified. C'est-à-dire, nous sommes les enfants de Dieu. That is, we are the children of God. Par alliance. By covenant. Dieu a signé, il a même juré. Nous allons voir ça. God has signed it and even he swore. We see it. Il a dit nous sommes ses enfants. He said that we are his children. Tu n'étais même pas encore né. You were not even born. Il a signé tous les papiers. He signed all the papers. Quand tu jeûnes, tu te réjouis seulement d'être son enfant et de contribuer à l'avènement de son règne. When you fast, you just rejoice to be his child and to give your contribution to the advent of his reign. Dis amen. Say amen. Quand tu pries, when you pray, quelqu'un nous a demandé, vous avez commis quel péché comme ça? La croisade de prière, nous on entend les croisades d'évangélisation, mais croisade de prière, vous avez commis quel péché? And someone said, what sin have you committed? We can hear about a crusade of evangelization, but crusade of prayer, what sin have you committed? Mais la parole de Dieu dit que Jésus a intercédé pour les coupables. Est-ce qu'il avait commis les péchés? And the word Jésus priait pour le salut de l'humanité. And the word of God said that Jesus prayed for the salvation of mankind and interceded for those who are guilty. Did he commit a sin? Nous sommes, we are ses enfants. His children. Nous devons prier pour le salut de l'humanité. We must pray for the salvation of dès qu'il humanity. Te sauve, as soon as he saves you, même ce soir, even tonight, si tu n'as pas encore accepté Jésus, if you have not si accepted tu l'acceptes, Jesus yet, if you accept him, tu commences à travailler pour you lui. Start working for him, for God. Tu commences à travailler pour you start working for God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pas de confusion. No confusion. Vous notez, nous l'avons déjà dit, Dieu n'a pas voulu que l'humanité soit dans la confusion. C'est pourquoi il a clairement exprimé le rejet de l'enfant né selon la chair. So you know that God did not want us to be in confusion. That's why he clearly rejected, he clearly expressed his rejection of the son that was born according to the flesh. Dieu a de cette manière rendu évident le salut de l'enfant né selon l'esprit.
In so doing, God made it clear the salvation of the son born according to the Spirit. L'enfant de la promesse. The son of the promise. L'enfant de la femme libre. The son of the free woman. Voici ce que disent les Écritures. This is what the scripture says. Car il est écrit. For it is written. Abraham eut deux fils. Abraham had two sons. De la femme. Un de la femme esclave et un de la femme libre. One from the woman of bondage and another one from the wife that is free. Donc il y a un endroit, un chemin. Si tu l'emprunts, c'est le chemin de l'esclavage. So there is a way that if you take it, it's a way of bondage. Il y a un chemin quand tu l'emprunts, c'est le chemin de la liberté, de la délivrance. There is another way. Du salut. There's another way. If you take it, it is the way of salvation, the way of freedom. Il faut noter que la révélation de Dieu ne vise pas la connaissance parfaite du Créateur et ou de toutes choses. So note that the revelation of God does not target the perfect knowledge of the Creator and all things. C'est-à-dire, quand Dieu nous révèle ces choses, so that is when God reveals these things to us. C'est surtout choses relatives à notre salut. It is above all things that are related to our salvation. La révélation n'a pas pour but de nous expliquer le monde quand il n'existait pas encore, les origines de Dieu, parce qu'on ne peut même pas contenir la divinité. Nous sommes petits comme des fourmis. So the goal, the purpose of the revelation is not to explain us the word, how it was created and everything concerning the word, but it's only because we are too small to understand divinity. Donc quand tu lis la Bible, so when you read the Bible, il faut observer là où l'esprit montre la lumière, là où l'esprit te fait regarder. When you read the Bible, just lay emphasis on where the Spirit leads you to watch, to show choisit, light. Ce que l'esprit choisit de te montrer, il faut faire attention, il faut bien observer. What the Spirit chooses to show you, you must pay attention to it, you must observe it well. Vous voyez comment, à travers le livre de Genèse, nous savons déjà où Dieu nous amène. And you see how, through the book of Genesis, we already know where God is taking us to. Si tu laisses ça, if you leave this, tu dis, est-ce qu'il y a eu un recensement des anges au ciel? Was there a census of angels in heaven? You leave this and put yourself questions about il y a combien d'anges? How many angels are there in heaven? Ça ne peut pas t'aider. It cannot help you. Ça ne peut pas te sauver du péché. It cannot save you from sin. Dieu te montre clairement ce qui peut te sauver du péché. God clearly shows you that which can save you from sin. Est-ce que nous sommes ensemble? So, are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pour ça qu'on dit la révélation ne vise pas la connaissance parfaite de la divinité. That's why we say that the revelation is not aiming at the perfect knowledge of the divinity. La révélation te permet de saisir entièrement les voies de Dieu, les voies que Dieu a tracées pour le salut de l'homme, pour ton salut. The revelation allows you to lay hold of the salvation. I mean, the ways that God has made for the salvation of man. Il y a des gens. There are people. Tu peux exposer clairement les voies du salut. You can clearly tell them the ways of salvation. Tu leur montres que Dieu veut te sauver. Dieu veut vous sauver du péché. You show them that God wants to save you from sin. Tu montres même comment ils sont enchaînés par le péché. You even show them how they are enchained by sin. Et ils te disent, and they tell you, j'ai quelques questions à te poser. I have some questions to put to you. Et ils commencent à te demander, avant la création du monde là, Dieu était où? And they start asking you, before the creation of the world, where was God? Écoutons. Listen. Dieu a dit. God said,
Quand Jésus va revenir, c'est ce qu'on appelle la seconde venue de Christ. When Jesus comes, comes back, that's which we call the second coming of Christ. Nous aurons la parfaite connaissance de tous les mystères dans tous les univers. We will have the perfect knowledge of all the universe. Même Dieu même. Even God himself. Nous allons le connaître. We will know him. Comme il nous a connus. As he knew us. Donc pour nous, so for us, c'est une promesse qui va s'accomplir. It is a promise that will be fulfilled. Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Because God always accomplishes his promises. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce qu'il a promis à Abraham, what he promised Abraham, il le lui a donné. He gave it to him. Et il a dit, le nom d'Abraham sera grand. And he said that the name of Abraham will be great. Si tu n'as jamais dit Abraham, if you have never said Abraham, que ça n'est jamais sorti de ta bouche, lève la main. That it never came out of your mouth, then raise your hand. Si tu as déjà dit Abraham, if you have already said Abraham, raise your hand. Vous voyez? You see? C'est ça on appelle le nom est grand. That's what we say. We call. Il est connu. His name is great. He is known. Chacun veut même qu'on dise qu'il appartient à Abraham. Everyone wants people to say that he belongs to Abraham. Je rendrai ton nom grand. I shall make your name great. Qui a déjà reçu Jésus parmi nous qui sommes ici là? Who has already received Jesus among you here? Raise your hand. La bénédiction. That's what we call blessing. Toutes les familles. We have families. Quelqu'un va te tromper là. Est-ce que c'est faux? C'est dans la Bible, mais dans la salle. Est-ce que ce n'est pas visible dans la salle? Someone can deceive you. It is in the Bible, but is it false? Is it not visible in the hall here? Quelqu'un va te tromper là. Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Qui a déjà reçu Jésus parmi nous? Lève la main. Who has already received Jesus among you? Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. You shall be a source of blessing. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Is there someone in the hall who would like to give his life to avant Jesus? Avant qu'on fasse la prière de la fin. Before lève la main. Si we tu pray veux recevoir Jésus, end. Lève la main. If you want to give your life to Jesus, you raise your hand. Est-ce qu'il y a une telle personne? Is there such a person here? Est-ce qu'il y a dans cette salle is there in this hall quelqu'un qui veut se donner à Jésus maintenant? Someone who would like to give his life to Jesus now. Il va à l'église. He goes to church. Mais il sait qu'il n'est pas encore sauvé. But he knows that he's not saved yet. Il y a encore le péché dans sa vie. He still have there's still sin in his mais life. Jésus est venu sauver le pécheur. But Jesus came to save the sinner. Si c'est toi, lève la main. If you are the one, raise your hand. Tiens-toi debout. Stand on your feet. Qui d'autre? Tenez-vous debout, on va prier pour vous. Who else? Tu te tiens là où tu es. You stand where you are. Tu dis seulement à Jésus, je crois que c'est toi le chemin. You just tell Jesus, I believe you are the way. Je ne veux plus tâtonner. I will no more grope about. Lèvons nos mains, demandons à Dieu de les bénir. Let us raise our hand and ask God to bless them. Oh Père, bénis ces enfants. Accepte-les dans ta maison. Merci de les délivrer de la confusion qui est dans le monde. Honneur et louange à ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Il sait qu'il aime Dieu. Is there someone here who knows that he loves God? Et il le cherche.
And he is seeking God. Parfois dans ses prières. Sometimes in his prayer. Il dit Seigneur, conduis-moi vers tes enfants. He said, Oh Lord, lead me toward your children. Et il est arrivé ici ce soir. And he came here tonight. Et il entend le Saint-Esprit qui lui dit. And he can hear the Holy Spirit telling him. Reste ici avec mes enfants. Remain here with my children. Si c'est toi. If you are the one. Lève la main. Raise your hand. Où est cette personne? Where is such a person? Tiens-toi debout. Stand on your feet. Qui d'autre? Ah bon, il est à côté de moi. Bénissons-le. Qui d'autre? Who else? Tu entends dans ton esprit. You hear in your spirit. Reste ici avec mes enfants. Remain here with your children. Et il y a une paix qui t'envahit. And there is a peace that invades your heart. Tu as une sensation de quelqu'un qui est arrivé. You feel a sensation of someone who has got to the destination. Tiens-toi debout. Stand on your feet. Bénissons-les. Let us bless them. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous vous bénissons. We bless you. Que le chemin se fraye devant vous. Let the way be paved before you. Que les desseins de Dieu s'accomplissent. Let the purpose of God be fulfilled for you. Que votre cri soit exaucé. Let your cries be granted. Que vous soyez une bénédiction pour nous. Be a blessing for us. Et que nous soyons une bénédiction pour vous. And may we become a blessing for you. Que le but pour lequel le Seigneur vous amène soit accompli. May the purpose for which the Lord sent you here be fulfilled. Nous vous bénissons parmi nous. We bless you in our midst. Nous vous séparons. We separate you. Des échecs du passé. From the failures of the past. Et des malédictions prononcées par les hommes. From the curses pronounced by people. Que notre bénédiction écrase la malédiction des méchants. Let your blessing crush the curse of the wicked ones. Et que le nom de Jésus soit proclamé devant vous. And may the name of Jesus be proclaimed before you. Au nom de Jésus-Christ. Amen. In the name of Jesus. Amen. Tenons-nous debout maintenant. Let us stand on our feet now. Dis, Seigneur, je suis content. Tu es le sauveur. Tu es mon Say, Lord, I am happy. You are my Savior. Dis à Dieu le Père. Tell God the Father. Oh Père. Oh Father. Tu es sage. You are wise. Tu es intelligent. You are intelligent. Examine le plan du salut et commence à l'adorer. Même le peu que tu comprends, adore-le pour ce peu. Examine the plan of salvation and start worshiping. Oh, worshiping him. Amen. Amen.